vraiment de tous porter votre masque sur votre nez. C'est très, très important, s'il vous plaît. Le ton est donné pour cette rentrée 2021. Face à 500 élèves, les mesures barrières et principalement le masque sont mises en avant. On sera donc vigilant à l'observance des gestes barrières, le port du masque avant toute chose, le lavage des mains, l'aération des locaux, de façon à ce que ça se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas, de contamination au sein de l'établissement. Un protocole auquel les adolescents commencent à être habitués et qui semble avoir gâché un peu leurs vacances. Certains sont presque heureux de reprendre le chemin du lycée. Puisqu'avant j'étais dans une école un peu plus petite, donc du coup bah là ça fait un peu bizarre d'aller dans une école plus grande, mais sinon ouais ça... J'ai hâte de rencontrer plein de gens et tout. Vraiment, je suis excitée de revenir là, d'avoir une vie sociale et de rencontrer des personnes parce que pendant les vacances, il fallait rester chez soi à cause du coronavirus. C'est très bien de revenir et puis dans le bain pour pouvoir apprendre de nouvelles choses cette année et prendre de nouveaux départs. En vacances, on fait plein de trucs, on va voir les potes et tout. Moi, j'ai voyagé et genre, ça fait plaisir quand même de revenir à l'école, mais... C'est sûr qu'avec une semaine ou deux en plus de vacances, ça aurait été top. La nouveauté en Polynésie cette année est au lycée Gauguin, une filière sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Une nouveauté quelque peu cocasse par ces temps d'annulation d'événements sportifs et culturels, mais ils ne dureront pas éternellement et cette filière était très attendue. On a des élèves qui ont décidé de faire de leur passion leur métier, de s'orienter vers un métier qui tourne autour de leur passion. Par exemple, un musicien, il a peut-être envie d'être ingénieur du son, travailler à Toata, et nous proposons au lycée Paul Gauguin cette nouvelle filière. Une rentrée imprégnée de gestes barrières, mais qui permettra de renouer des contacts sociaux et de poursuivre un cursus scolaire normal. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.